Depuis ces rencontres, tout le monde fâché, tout le monde mauvais, mais tout le monde veut engager dans l'État. Mais il n'y a pas d'accord pour rendre le peuple à compte. Mais nous-mêmes en tant que l'Église, nous-mêmes en tant que frères, nous-mêmes en tant que hommes de Dieu, côté de notre travail là, nous devons être prêts pour nous rendre compte à la gestion. Si le monde qui dehors n'a pas le fait, nous ne pouvons pas sur l'exemple. Parce que ce n'est pas lui qui exemple nous, c'est la Bible. C'est bon Dieu qui exemple nous. C'est bon Dieu qui dit mais comment pour marcher. Et qui t'aime fort comprendre. Là, le monde n'est pas d'accord pour lui rendre compte de ministère. Il laisse une porte ouverte, les débattants, pour lui critiquer. De toutes sortes. Ces mêmes gens, avec un homme ou bien un mari qui gagne un foyer sous responsabilité, eh bien, Marissa, il a pour devoir pour lui rendre madame le compte. Si on l'a jeune homme, il doit rendre madame le compte. Si madame n'a pas de compte, il faut qu'il rende compte. Il faut qu'il pas pour faire ça. S'il ne pas fait, il laisse une porte ouverte. Pour que madame Lantil ligue l'autre femme. Pour que madame Lantil la gaspille l'argent. Eh bien, ou même, en tant que frère, en tant que bien-aimé dans le Seigneur, la Bible lui exige où pour faire ça. Jésus-Christ lui parlait de ça dans Luc 19, dans la parabole de mine. Jésus-Christ lui montrait que. La question de rendre compte, c'est une loi royaume. Non. Pas de monde qui va rendre compte. Même l'on ne veut pas rendre compte pendant qu'on va diriger dans le pays. Même l'on ne veut pas rendre compte pendant qu'on va diriger l'église, ou diriger un groupe, ou diriger une association. Mais on va rendre compte quand même. Amen. Parce que bonjour à privé, on va répondre, bon Dieu, des questions. La Bible. Lui demande nous pour que nous menions une vie intègre. Non seulement le ministre doit rendre le peuple la compte, mais il doit rendre bon Dieu compte tout, parce que c'est bon Dieu qui établit. Et il y a plusieurs raisons qui font que le ministre doit rendre compte. Si je suis allé rapide pour me dire que, une raison, c'est parce que bon Dieu parle les ministres pour conduire le peuple là, ou bien pour conduire le monde qui est avec lui dans le péché. Or, le fait que nous ne sommes pas d'accord pour nous rendre compte, nous ne sommes pas d'accord pour nous expliquer le peuple là, soit de la vie nous, de ça nous posséder, parce que ministre, la vie ne doit pas être nue devant le peuple là. Si vous avez des fonds, le peuple a questionné, vous pouvez venir. Et il faut couper pour dire peuple là, téléphone ça, mes côtés me joignent, mes côtés le soutient. Si vous ne pas faire ça, vous laissez peuple là pour lui parler. Et la Bible dit, plus vous parlez, c'est plus que l'occasion pour pécher. Alors, ou est-ce que vous êtes capable de venir pour mener peuple là vers le péché? Non! Le ministre n'a pas de mission ça. Et ça qui fait les doigts rendre. Compte de vos peuples là, de gestion, non seulement de gestion au sein des groupes là, de l'église, mais de familles tout, de tête. Parce que la vie ministre n'a pas dit encore, il doit être nu devant le peuple. Deuxième raison, peuple là, c'est lui-même qui est défenseur. Peuple là, il a libéré, comme ça, tout le capable de condamner. Comment? Vous êtes capable de téléphoner ça? Pendant que vous avez un paquet de paroles qui ont véhiculé autour du téléphone dans le pays. Mais le peuple là, il connaît la vérité, puisque vous partagez avec lui, il connaît. Et bien, le peuple là, il a défendu. Il a dit téléphone ça, moi, je ne suis pas gagné. Il y a des gens qui ont dit c'est voler, voler. C'est notre droit de faire. C'est notre diable lié. Et bien, le peuple là, dit non. Parole ça, pas dit comme ça.
Téléphone ça, mais comment frère a gagné? Mais comment procéder? Eh bien, peuple là, lycée défenseur. Mais bien aimé, mes frères et sœurs, missionnons en tant que chrétiens, nous devons vivre dans l'intégrité, parce que l'intégrité lui bâtit la confiance. Si nous voulons faire nos confiances, dans le voisinage là, dans le pays là, nous devons intégrer dans sa vie. Deuxième bagaille, l'intégrité engendre la crédibilité, ou bien l'intégrité lui produit crédibilité. Crédibilité, ça veut faire quoi? Yo quoi dans où? Yo fort crédit. En un mot, chrétien, il doit être un monde qui est crédible.